soi, on a cette attente de la pureté dans le corps, c'est-à-dire qu'on oublie qu'on est un corps, on recherche la paix dans l'âme, c'est-à-dire on n'a plus de tensions liées aux amours difficiles, on n'a plus de... etc. Et je rappelle que c'est une chose préalable pour trouver la relation juste, vraie, et qu'il faut être pacifié dans son âme. Je vais donner un autre exemple. Quand j'ai rencontré Vesna, j'avais barré dans ma vie toute possibilité de rencontrer quelqu'un. Voilà, la semaine d'après, boum. Et je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Il y en a beaucoup qui font cette chose-là. On arrive à un âge où ce genre de plaisanterie douloureuse fatigue, démoralise, ne sert à rien, etc. On se dit, on ne va rien construire, absolument rien. Et on va même se détruire si on ne fait pas attention. Et puis à ce moment-là où on renonce vraiment dans soi-même, eh ben c'est là que les choses qu'on imaginait terminées se produisent. Je suppose que toi, ça t'est arrivé déjà. Ouais. Hein. Je ne suis pas le seul, tu n'es pas le seul. En réalité, c'est une règle d'or dans la nature, lorsqu'on lâche quelque chose. C'est pourquoi vous avez dans le bouddhisme le lâcher prise. Hein. Ça n'est rien d'autre. Pourquoi, lorsqu'on lâche, la chose intervient? Parce que c'est quand on fait vivre en nous que... C'est exact. D'une autre manière, tu tiens quelque chose, tant que ta main est fermée, rien ne peut y rentrer. Alors sachez quand même que chez l'hermétisme africain, ça se développe d'une manière très rigolo. Je dis ça parce que je vois une banane là, pour les intimes. Ah oui, oui, oui. Eh bien, voilà comme on dit. Là, je vous dis, moi, ce qui est dit, hein, je ne vous dis pas ce qu'on en retire philosophiquement pour aller du côté du vrai, du juste, du bon, etc. On dit, pour chasser le singe, on prend une noix de coco, qu'on assujettit à une chaîne dont on entoure un arbre, après avoir vidé la noix de coco. Et dans la noix de coco, dans laquelle on a fait un petit cercle, on met une friandise pour un singe. Le singe, qui est toujours à l'affût, c'est nous, il arrive, il regarde bien, il voit qu'il y a un piège derrière. Il se dit, mais je suis malin, moi, je vais prendre le truc, je vais me tirer avec. Hop là, il met la main là-dedans. Il attrape le truc et il ne peut plus ressortir parce que son poing ne le lui permet plus. Donc, il s'enferme lui-même. C'est ce qui arrive. Vous verrez qu'à chaque problème posé, le résultat, c'est un enfermement dans une vieille idée, dans une chose qui est non fonctionnelle, etc.